Pas de congé de Pâques pour les élèves de la section anglophone du lycée bilingue de Moliko Bouéya. Ici, les instructions du ministre des enseignements secondaires ont été suivies. Enseignants et apprenants étaient au rendez-vous malgré les effectifs assez réduits. Mais ce matin, on avait 24 enseignants en classe au lieu de 28 qu'on a prévu. À mon avis, ça c'est bien. Mais les élèves, je ne sais pas, l'effectif était très bas. On avait 368 au lieu de même le 700 plus qu'on avait la semaine passée. Le lycée bilingue de Moliko Bouéya a été choisi pour loger les athlètes qui prennent part au jeu FENASCO Ligue A. Malgré cela, les cours se déroulent sans anicroche. C'est vrai que nous, on logeait les athlètes de FENASCO A, mais on a fait tout pour essayer d'avoir les salles de classe pour nos élèves. Donc, on a les élèves et les enseignants sont là. Maintenant qu'on parle, on a les élèves de Form 1 jusqu'à les élèves de Upper 6 à l'école. L'extension des cours pour rattraper les enseignements perdus, les élèves adhèrent au concept. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour les cours de rattrapage parce que quand il y avait la crise de les anglophones, on n'avait pas cours. Donc, on veut utiliser un semaine pour rattraper les cours. Ce matin, on a déjà fait 3 cours et maintenant, on part à la maison parce qu'on a un cours encore à 16h40. Nous sommes au lycée Bolico pour faire le rattrapage des cours qu'on a perdus pendant les 3 mois. Aujourd'hui, on a fait 5 cours, la géographie, SVT, l'anglais, éducation physique et le français avec les maths. Pour faciliter la participation des élèves, la sécurité a été renforcée. J'ai utilisé cette opportunité pour dire à les parents et les élèves du lycée bilingue de Moliko qui sont à la section anglophone qu'on a les classes. Les classes continuent ici cette semaine pour tous les élèves et la semaine qui vient pour les élèves qui sont à la classe, dans les classes examen. C'est une étape importante qui conduira les élèves vers les examens de fin d'année.